Bonjour, je m'appelle Chloé Méline, je suis journaliste pour le magazine Cinétime. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation classique de la pièce Hernani de Victor Hugo. Les invités que nous accueillons sont Kevin Bodiguet, qui incarne le rôle de Don Carlos, Benjamin Revjen, qui incarne le rôle de Hernani, Léandre Castellet, qui incarne le rôle de Don Ruy Gomez, Cyrielle Beaufy, qui joue le rôle de Donia Sol, et enfin Arsène Hugo, le réalisateur. Si je peux me permettre, Hernani n'est pas classique, mais plutôt romantique, bien que ce sujet ait divisé les esprits à l'époque et qu'il reste polémique. Autant pour moi, c'est un grand classique de la littérature. Monsieur Hugo, pouvez-vous nous parler de l'histoire du film? C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Donia Sol, qui est aimée de trois personnes, le roi Don Carlos, son oncle Don Ruy Gomez, ainsi qu'un bandit nommé Hernani. Entre rivalité, désir de vengeance et complot mélangés à une histoire d'amour, vous ne serez sûrement pas déçus. Et pourquoi avoir fait une adaptation d'Hernani? Tout d'abord, je trouvais ça très intéressant de mettre cette pièce au grand écran. Aussi, je me suis dit que ça pouvait beaucoup aider les scolaires qui ont du mal à apprendre cette œuvre ainsi que la lire, car moi-même j'ai eu beaucoup de mal. Ça permet de redonner au goût du jour cette pièce et de la faire aimer aux jeunes. Et puis, je voulais toutefois garder les vers, car je voulais rester fidèle au texte. L'amour a dépassé la fiction. Un couple s'est formé pendant le tournage, mais je ne dirai pas qui. On peut passer à une autre question? Pouvez-vous nous parler un peu de vos personnages? Je m'appelle Cyrielle Beaufy et j'interprète le rôle de Donia Sol, une femme noble avec un caractère bien trempé. Elle est franche, déterminée et libre, même si les autres me disent dévergondée. Moi, je pense plutôt être le soleil de vos vies. Je suis aussi l'amante du héros et je suis aimée par tout le monde. Je m'appelle Kevin Bodiguet et j'interprète Don Carlos dans Hernani. C'est un personnage qui évolue. Au début, il pense avoir une femme grâce à son argent et son titre et enlève même Donia Sol. Ensuite, il pardonne Hernani et est heureux pour Sol et lui. Si Hugo voulait ridiculiser le personnage du roi, par exemple, avec la scène du placard, Monsieur Hugo a redoré le blason de ce personnage. Je me prénomme Benjamin Revjen et j'interprète Hernani. Parmi les incarnations théâtralistiques que j'ai pu faire, je dirais que le personnage d'Hernani présente quelques similitudes avec Scapin, dans le sens où il est espiègle et fou. Cependant, il reste attachant et touchant car c'est le protagoniste. Il reste provocateur et arrogant et n'hésite pas à croiser le fer, sans pour autant oublier qu'il est issu d'une famille noble. Et en plus, je joue le rival du poussiéreux. Je suis Léandre Castellet et j'interprète le rôle de Don Ruy Gomez. Il est vrai qu'il est plus vieux que les autres personnages, mais je pense que cela traduit une certaine sagesse. En plus, j'aime jouer ce rôle aussi contradictoire et le méchant de la pièce. Comme ça, je peux me venger des remarques de mes chers collègues. Et vous, Arsène, vu que vous n'interprétez aucun rôle, pouvez-vous me dire quel est votre personnage préféré? Je pense que mon personnage préféré est celui de Donia Sol. Elle est très déterminée, prête à tout par amour, et sa franchise impose le respect. Et pourquoi avoir choisi Cyrielle pour incarner le rôle de Donia Sol? Eh bien, c'est plutôt simple. On a fait du théâtre ensemble, on était à l'école. Je me suis dit que ce serait parfait pour un premier rôle. Ça pouvait faire décoller sa carrière, mais malheureusement, ce n'est pas. Et qu'est-ce qui vous a plu dans votre personnage et qui vous a fait présenter pour ce rôle, Madame Beaufy? Donia Sol est pour moi, je pense, le meilleur rôle du film. On se ressent beaucoup d'ailleurs. Elle est aimée par tout le monde. Et en plus, c'est la seule femme et le rôle préféré d'Arsène. Personnellement, je trouve que Don Ruy Gomez est un rôle original et l'un des meilleurs selon moi. En toute modestie, je pense que ma grande expérience m'a beaucoup aidée pour ce film. Normal, la pièce est aussi vieille que toi. T'étais pas pote avec Hugo d'ailleurs? Je disais que ma grande expérience m'a beaucoup aidé pour ce merveilleux film. Merveilleux grâce à une merveilleuse réalisation. Jouant le rôle éponyme, cela m'a permis de vaincre ma timidité de novice. Étant du milieu théâtralistique, il me semblait fort intéressant de m'immerger dans le monde cinématographique et de voir l'adaptation et l'évolution du personnage que j'incarne, à savoir Hernani. Et de plus, cela m'a permis d'exploiter mon potentiel. Léandre, grâce à votre expérience, que pensez-vous de l'Argentine comme lieu de tournage? Ce qui est assez surprenant et insolite pour une telle adaptation. Il est vrai que l'Argentine est un lieu surprenant en substitution d'un village espagnol. Ça t'a permis de découvrir du pays, hein, papy? C'est donc à dire que je ne suis qu'un vieux dont les jeunes vont rire. On va rire de moi, soldat de Zamorin? Oh, ça va, détends-toi, l'ancêtre. Sachant que vous êtes très amis, Kevin et Benjamin, dans la réalité, a-t-il été difficile de jouer la rivalité? Honnêtement, non. Je trouve cela assez amusant de jouer la rivalité, les tensions, avec quelqu'un que l'on connaît et qu'on apprécie. Il y a une certaine forme de liberté, on peut tout faire et c'est l'occasion de prendre sa revanche. Personnellement, il est relativement aisé pour un comédien d'incarner un personnage aussi provocateur qu'Hernani.
A-t-il été dur pour vous, Madame Beaufy, d'incarner le rôle de la seule femme parmi tant d'hommes ? Non, justement, on est tous liés d'amitié. En plus, je me sens valorisée car ils ne peuvent pas faire de compliments à 12 femmes. Ne pensez-vous pas que Donia Sol est plus libre, si j'ose dire, que les autres femmes de son temps ? Si, elle casse un peu les codes. Même promise à son oncle, elle veut s'enfuir avec un ami et ne semble pas contrainte à un époux, du moins un fiancé. De plus, au début, elle doit recevoir Hernani dans sa chambre, chose peu commune à l'époque. On sait qu'Hernani a donné suite à une bataille littéraire à son époque. Pensez-vous que les personnages d'Hernani et d'Henri Gomez incarnent bien l'opposition entre classique et romantique ? Chérie, après la France s'expose à faire rire, même à son héritier. Chacun son tour, messire. Qui que soit, c'est bien. Et sans être inquiet, j'accueillerai Satan si Dieu me l'envoyait. Je me nomme Hernani, c'est un bien plus beau nom. C'est un nom de banni, c'est un nom de proscrit. Vous voyez cette tête ? Elle vaut assez d'or pour payer votre fête. Taisez-vous donc, on va vous prendre au mot. Oh, pas même un couteau. Bon, je vais prendre ça pour un oui, hein. Prochaine question. Quelle scène avez-vous préféré tourner ? J'ai bien aimé la fin et c'était une bonne scène à tourner. La fin de mon personnage est différente que de celle des autres. Ils se suicident tous, mais quand Don Carlos apprend que Donia Sol est morte, il se laisse dépérir et meurt de chagrin. Cette fin est plus juste pour les personnages qui sont tous immoraux et je ne vois pas pourquoi Don Carlos devrait être le seul qui reste. Je pense que la scène que j'ai préféré tourner est la scène du début, celle du placard. C'était la scène sûrement la plus simple à réaliser, puis elle a instauré une très bonne ambiance au sein de notre groupe, et puis on a tous rigolé. Je dois avouer que cette scène était fort divertissante. En plus, nous avons perdu les clés du placard, et Kevin est resté enfermé dedans pendant 10 minutes. Je trouve que la meilleure scène est, malgré le fait que ce soit tragique, la fin, car je meurs aux côtés de mon mari. En plus, la scène fait référence à celle de Roméo et Juliette, qui est une pièce que j'adore. Je dirais que ma scène favorite est lorsqu'Hernani se grime d'une tenue de pèlerin et qu'il dupe André Gomez, qui fait preuve d'une grande crédulité, voire sénilité. Par ailleurs, il fait preuve d'éloquence dans ses propos, ce qui démontre une certaine finesse et un certain prestige du personnage. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver l'actualité sur le site cinetime.com. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec des invités surprises. Bonne journée à tous.